messieurs les cadres, mesdames, les présidents, mesdames, messieurs les présidents, monsieur le président, si vous permettez, malgré la solennité du moment, je vais dévier du protocole et vous parler directement du cœur. M'apprécie en pile, j'ai moins contre au Paléa, premier soir dimanche, c'est qu'il y a urgence. Premier ça conseil là, dis-moi, c'est que pour la respect. Première instruction, tout le monde conseil pour moi, c'est que nous n'avons pas le temps pour l'ouverture. M'apprécie en pile, convivialité que nous joignons dans le premier moment, ça a une sauté de génération, qui montrent que c'est assez intéressant pour la population haïtienne. Au moment où, comme depuis la dernière fois, les groupes politiques différents de deux côtés, dans un moment où nous comprenons que l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Moi, excessivement fier de faire partie de vous. Et maintenant, que nous avons collaboré ensemble dans l'intérêt de notre pays, comme on se l'a dit tout à l'heure. Les amis, nous avons une illusion sur le député Capon. Nous avons une illusion sur le fait que ça n'est pas facile. Abstenons à ce que des moments que nous avons tellement sur certains points. Mais avec conversation que nous avons même depuis plusieurs semaines, qui sont concrétisées dans l'heure, mais qui a déjà la assurance que nous avons tout à moins ouvert. Disposition que moi, état d'esprit que moi, dans le temps conseil, avec nous-mêmes, excessivement encouragés. Mais pas trop long, en mettant mon travail, et m'a dit déjà, c'est très très confiant que nous avons trouvé ça de vous. Merci beaucoup, membres du conseil. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont amenés jusqu'ici. Et comme vous l'avez dit à quelques minutes, nous sommes en train. Voilà, madame, monsieur, qui met fin à cette brève cérémonie de remise de toutes les consoeurs et tous les confrères de la presse qui ont bien voulu assurer la couverture de cet événement, combien important pour la nation. On procède à l'instant à la nomination de l'arrêté et a nommé Dr. Darling Colling au poste de Premier ministre. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté nommant le citoyen Darling Colling Premier ministre. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertilaire, Leslie Voltaire. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, considérant la démission du gouvernement, considérant qu'il y a lieu de nommer le Premier ministre. Arrêté. Article 1. Le citoyen Darling Colling est nommé Premier ministre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 28 mai 2024. En 221e de l'indépendance. Par le Conseil de transition, la conseillère présidentielle Régine Abraham, le conseiller présidentiel Smith Augustin, le conseiller présidentiel Louis-Gérald Gilles, le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, le conseiller présidentiel Frinel Joseph, le conseiller présidentiel Edgar Leblanc-Fils, le conseiller présidentiel Laurent Saint-Cyr, le conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire et le conseiller présidentiel Leslie Voltaire. À l'instant même, madame, monsieur, on invite le président du Conseil présidentiel de transition à remettre
une ampliation de l'arrêté ayant consacré la nomination de Gary Conille au poste de Premier ministre. Monsieur le Président. Le Conseil présidentiel de transition reçoit ce lundi 3 mai 2024 le docteur Gary Conille pour lui transmettre une application de l'arrêté le nommant Premier ministre. Cet acte l'habilite à initier le processus de formation du gouvernement en accord et en concertation avec le Conseil présidentiel. Cet acte intervient dans un moment particulièrement difficile. Le pays vit dans une crise multidimensionnelle. Il importe donc aux forces vives de la nation, et particulièrement aux acteurs politiques, de travailler dans la concertation, dans le consensus, dans l'amour, de manière à réussir cette transition. Nous comptons sur le docteur Conille pour mettre en place les politiques qui conviennent avec le Conseil présidentiel de manière à adresser particulièrement le problème de l'insécurité et également redresser l'économie du pays, réformer les institutions et arriver aux élections crédibles, démocratiques, libres à la fin de 2025 de manière à ce que le mandat de la transition qui se termine le 7 février 2027 soit rempli. Nous souhaitons donc au Conseil présidentiel et au Premier ministre Gary Conille succès. Merci, Madame Monsieur. Je vous connais là, c'est le nouveau premier de Gary Conille, absolument de la Valéa. Et PM qui a sorti là, et dans la file d'accueil, et nous avons dit officiellement, et PM qui a répondu à cette démarche là, et PM a dit